Rien ne m'avait préparé pour Gurs. Rien n'avait préparé personne pour Gurs. Ma première impression de Gurs était que c'était immense. Il y avait une route au milieu et des deux côtés, il y avait des baraques. Et qu'il n'y avait pas d'arbres, qu'il n'y avait pas de verdure, que c'était austère, que c'était effrayant. On est arrivé et il y avait deux gendarmes énormes qui m'ont encadré et qui ont amené cette prisonnière dangereuse, qui était cette petite fille, dans un îlot des femmes. Et j'étais à l'îlot M. C'était des baraques où il y avait, je crois, quelque chose comme 60-70 personnes qui étaient surchargées alors qu'il y avait de la place peut-être pour 25 ou 30, avec des paillasses, des sacs de paille par terre. Il y avait, c'était ça ma première impression, c'était horrible, je me suis effondrée.